Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour. Bonjour bien, qui? voici vos, bonjour, vos grosses chérie. Têtes. D'abord, notre bonjour, charmante consoeur qui bonjour, est à... Bonjour mon popounet chéri. Bonjour. Bonjour notre petit poussin. Ça va mon mignon, mon amour. Je trouve que tu as très bonne mine aujourd'hui. Oui. Tu es bien, tu as fait ton petit rototo. Tu es content, son pipi. Ah oui, depuis qu'il dort les mains au-dessus des draps, il a les yeux moins tirés, hein. Mais vous... Ah, il est mignon. Oui. On est obligé de l'attacher, d'ailleurs. Bon, alors... Oui, alors ça va. Ça va bien, et le petit poussin se réjouit de travailler en poule avec de grands esprits comme vous. Avec une femme charmante, consoeur de surcroît, et dont le vêtement laisse à penser qu'elle vient de faire des galipettes au Père Lachaise, puisqu'elle est habillée en veuve éternelle. Ça lui va très bien. Claude Sarraute. Bravo. Tu as pris un petit gâteau pour te remercier. Merci. Wow. Mais c'est ton pas, goûter, c'est ton 4 heures. C'est pas vous qui... On voit bon. Sa petite main, il se trompe pas, il arrive à tenir, le coco. Il arrive à tenir, mon Fifi. Coucou. Là, il a bavé. Merde. Et puis autour de notre cher consoeur... Il est vraiment mignon, hein, quand même. Trois hommes d'esprit, comme on n'en voit pas ailleurs, comme on ne peut pas en écouter ailleurs. D'abord, notre académicien français, je dis notre parce que j'ai l'impression maintenant qu'il nous appartient un petit peu, oui. Jean Dutour. Oui. Bravo. Un garçon qui sera sûrement un jour sous la coupole aussi. Et déjà, vous avez la tonsure. C'est vrai qu'il a un crâne qui n'est pas sans l'évoquer. C'est Gilbert Mont... On va s'aimer. On va s'aimer sur le bord d'un fossé. Où est le piano? Guy Montagnier. Et puis notre, et là aussi le possessif est de rigueur, notre marin, Olivier de Kersauzon. Bravo. C'est vrai que ça me fait très plaisir de vous voir réunis comme ça. Ah ouais, oui, vraiment bah, je comprends. Ah oui. Nous aussi, hein, bon. De vous voir réunis. Je vous ai vu tellement démembré, moi, après des partous, que vous voir réunis en entier aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir, parce que je vous ai vu très dispersé, moi, dans certaines occasions. Et là, il y a tout ensemble. Il y a la cravate, le slip, les chaussettes, la chemise, le pantalon, la ceinture. Tout est ensemble et sur le même mec et au même moment. Photo, s'il vous plaît. Alors, tandis que notre académicien enfume notre modeste caveau de famille... Attends, c'est bon avec ça. Non, mais déjà, ça a l'air d'un caveau de famille, si en plus vous faites des incinérations... La première citation, elle vient de Paris, où habite M. Cherdronnet, qui a dit... Un courant d'air terrible ici, hein. Ouais. Mais non, arrête, t'es toujours froid, toi. Dans les caveaux, c'est comme ça, en général. Olivier, chaque fois qu'ils ouvrent la dalle de marbre, il y a un courant d'air d'enfer. Non, mais ça, c'est des gâteaux, je veux les chocolats. Les chocolats, le chocolat, t'as pourtant un dîner après. Le poulet, il veut un chocolat. Alors, la première citation. Qui a dit, afin d'être moins traumatisé le jour où je serai impuissant, j'ai décidé de m'abstenir tout de suite de tout rapport sexuel. Romain Gary. Le Mahatma Gandhi. Qui? Le Mahatma Gandhi. Non. Ah non. Ah, oui. On a appris de drôles de choses sur ce qui se passait la nuit dans son lit. Hein. Ouais. C'est moi qui voulais raconter d'ailleurs. Oui. C'est quelqu'un de la génération de Romain? Non. Plus vieux, plus ancien, plus mort? Non, pas plus mort. On est mort ou on n'est pas mort, hein. On n'est pas plus mort. Hein. Oui, il est de chez nous. Il n'est pas de chez nous. Ah, il n'est pas de chez nous, il est américain, alors. Il est américain. Ben oui, c'est Woody. C'est Woody Allen. Bonne réponse de Jean Dutour.
Mais alors, messieurs, est-ce que vous êtes d'accord sur... J'ai oublié ce qu'il a dit. Il a dit qu'il s'abstenait parce que pour pas avoir de chagrin le jour où il ne pourrait plus. En attendant, il a fait un très beau petit bonhomme, un très beau petit garçon, à sa femme qui est une actrice. Moi, je suis une vraie groupie. Mia Farrow. Je sais tout, oui, Mia Farrow. Et il l'a appelé, tu sais, du nom d'Armstrong, le surnom qu'on donnait à Armstrong, je ne sais plus ce que c'était. Satcho. Satchmo. Oui, c'est ça. Parce que c'est un joueur de jazz, Woody Allen. Tu sais que chaque semaine, il va dans un club à New York. Oui, il ne fait pas le geste parce que c'est un peu inconvenant, mais enfin, c'est... C'est un joueur de jazz, il est formidable. Alors, je pense que là, et tout à fait fortuitement, Woody Allen rejoint une théorie chère à M. Jean Dutour. À savoir. Ben, qui est que si on ne fait rien du tout, que ce soit en sport ou au lit, les performances ne diminuent pas. J'ai pas parlé du lit, j'ai parlé du sport. Ah, bon. Oui. Ben, est-ce que le lit n'est pas un sport ? Vous vous trompez complètement. Plus vous faites l'amour, plus vous avez envie de le faire, plus vous le faites bien. Moins vous le faites, moins vous avez envie de le faire, et moins vous le faites bien. Et ça vaut pour tout. Pour manger, tiens, par exemple, toi qui as suivi un régime, moins tu manges, moins tu as envie de manger. Parce que ton estomac se rétrécit. Je mange le sport, rarement, c'est l'amour. Hein, il y a eu un mot. Faire l'amour, c'est un sport. On dit marquer des putes. Tiens, prends entre les poteaux. Ouais. Tu sais qu'il y a un mot charmant de l'abbé Morellet qui disait quand autrefois j'avais des tentations mais je n'avais pas d'occasion. Maintenant j'ai des occasions mais j'ai plus de tentations. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est ça croit. Le sport c'est pareil. Si tu arrêtes d'en faire par exemple moi, tu vois, si j'arrête d'en faire, ben. C'est pas mal quand même pour quelqu'un qui a fait du sport. Ben oui, je suis bien justement. J'en fais mais tout le temps. Mais si j'arrête, mettons 15 jours, je suis en voyage, mais j'ai une grippe, et ben ça devient un peu flagala, tu vois. Oui, moi aussi je fais du sport. Un jour, les jours pairs, je vais au bar d'ici et les jours impairs au bar d'en face, les bars parallèles. C'est ce qui me permet quand même de piloter le zinc en même temps. Bon, enfin, c'est quelque chose de très prudent, car c'est vrai que c'est de nature à faire oublier un certain déclin. Ben oui, il vous affecte, mes pauvres chéris, et nous, pas. Vous, pas. Non, mais ce qu'il y a de formidable dans le déclin de l'amour, et dans la vie amoureuse d'un homme, c'est que la première fois, on le sait, et la dernière fois, on ne le sait pas. Voilà, c'est génial. C'est une formule que tu as dite il y a quelques années, ça m'est resté... Ça m'a frappé entre les deux yeux. Ah ouais. Redis-le-le. Ouais, avec ça... Redis-le-le. Ah, c'est vraiment génial comme formule. Avec son membre ? Non. Non, si tu... La première fois que tu fais l'amour, tu sais que c'est la première fois. Oui. La dernière fois que tu le fais, tu sais pas que c'est la dernière fois. Et depuis, on croit toujours que c'est l'avant-dernière. Ouais. Et depuis, j'arrête pas de penser. Et chaque fois que je le fais, je me dis, tiens, c'est peut-être la dernière fois. Je te jure. Enfin, vous, il y aura toujours des clients dans le métro rien, le matin. Mais on sait jamais. Ça m'a tellement frappé cette histoire. Donc je me dis à moi-même, profite ma vieille, parce que je ne sais pas. Toute là, vous avez tort de dire ma vieille. Arrête. Ça dissuade le partenaire. Je me le dis à moi-même, je le dis pas au partenaire. Puis de toute façon, c'est pas une question d'âge, hein, tu sais. Non, question d'occasion. On peut pas passer un peu la clim. Mais parfois, la fréquence des rapports use terriblement. Use terriblement. Ça me rappelle l'histoire de ces deux pauvres femmes qui étaient là dans un appartement à Paris avec la femme et puis sa copine. Et tout d'un coup, la femme dit « Oh !» Tiens, voilà mon mari. Oh, bah écoute, dit l'autre, regarde, il a plein de fleurs, plein les bras. Oh, zut, oh! Bah quoi? Oh, bah encore falloir que j'écarte les jambes. Pourquoi, t'as pas de vase? Peu de romantisme, quoi. Alors, je vais maintenant vous soumettre la deuxième citation qui émane. C'est ce que ça veut dire ? Non, mais ça vient d'eux, quoi. Ça vient d'eux, très bien. Vous voyez que ça depuis que vous venez ici, ça va mieux. Ah oui, ça va mieux. Qui a dit... Alors, Madame Materne de Soumagne, donc, c'est la marraine de la question. Qui a dit « Le gorille est un luron supérieur à l'homme dans l'étreinte. Bien des femmes vous le diront. » Ah oui. Attendez, dans les trains de marchandises ou dans les trains de... C'est une femme ? Non. Albert Schweitzer.
C'est un ethnologue ? Oh non, non. Un Français mort ? Français mort, et nous le regrettons. Ah, tu l'as connu ? Oui. Je dirais il Francis est venu chez toi, Blanche. Il est venu ici. Qui ? Francis Blanche, non. Pierre Dac. Il est venu ici ? Non. Il est mort il y a trop longtemps pour qu'il soit venu ici ? Oui, peut-être. Mais je l'ai interviewé ici, mais pas dans le cadre de... Vous avez arrêté de souffler ? Mais qu'est-ce que c'est ? On ne dit rien, non, s'il vous plaît, monsieur. Chef ? Non. Il souffle. Oui, alors ne dites rien. C'est la dame, non. C'est pas le monsieur. Non, non, on ne dit rien. Mais en plus, il souffle des conneries, c'est ça qui agace. Ouais, c'est pas la règle du jeu. Hein. Ils ont non, dit genre... Je dis rien quand c'est bon, mais le mec, il souffle des conneries, ça va. Jean-Paul II, il a dit, c'est pas vrai. Oh. C'est un auteur de théâtre ? Non. Un politicien ? Non. Un écrivain. On peut dire que c'est un écrivain, encore qu'il n'ait publié qu'un ou deux livres, mais c'était un écrivain. Ouais. Un acteur, alors ? Non. Il a fait l'acteur, mais enfin, bon, tout à fait. Deux fois. Une fois, je crois. Deux. C'est pas des proches ? Non. Non, non. Une fois. Tu frimes, Olivier de Kersauzon, tu frimes, tu sais rien. Mais écoute, sois pas injuste avec moi. Est-ce que tu m'as déjà vu frimer et pas savoir ? Ah oui. J'ai pas que ça. Bon, l'auteur... Ça serait peut-être mieux de... Un auteur qui n'était pas vraiment un auteur, qui n'était pas vraiment un acteur, qui n'était pas un politicien, mais qui était célèbre puisque tu l'as interviewé. Oui, enfin, j'en ai interviewé qui n'étaient pas célèbres, d'autres qui étaient célèbres et que je n'ai pas interviewé. Non, mais je veux dire que c'est quelqu'un qui a une place à part dans notre cœur et on peut le dire dans... La littérature, c'est peut-être un grand mot, mais enfin, peut-être la poésie. C'est bon pour Prévert, quand même. Brassens. C'est Georges Brassens. Bravo. Bonne réponse de Guy Montaigne. Et vous connaissez le titre de l'œuvre dont cette citation est extraite. Garou-Gorille. Voilà. Bien connu. C'est vrai que le gorille a une flatteuse réputation. Oui, tu sais, on connaît. Je pense que je te l'ai déjà raconté, c'est l'histoire. Oui. Il va raconter ses dernières vacances en Zambie. Non, c'était en Uruguay. Mais c'était justement trois copines américaines qui passaient leurs. Des juives américaines d'ailleurs, parce que moi, c'est une histoire que j'ai entendue à New York. Et elles passaient leurs vacances en Zambie. Et il y en a une qui était enlevée par un énorme gorille. Alors, elle est restée dans les arbres à faire la gêne avec son Tarzan de gorille, et puis on l'a rescapée, elle était hors d'elle, on l'a immédiatement transportée dans un hôpital, et puis ses deux copines sont allées la voir à l'hôpital, et c'était au bout de 8 jours, et alors elles lui disent, alors ma chérie, comment tu es, tu es pas trop, tu arrives à te remettre? Alors elle est en larmes, elle pleure, elle dit, mais non, mais comment voulez-vous que je remette? Ça fait déjà une semaine qu'on est séparés, il a pas écrit, il a pas téléphoné. Elle fait toujours rire, hein, celle-là. Ouais. Je me suis mordu les oreilles. Non, c'est bien marré, là. Merci, Claude. J'arrête, j'en dis plus. Non, continue. Question de Madame Corroyer de Dieppe. À l'intérieur du premier avion des frères Wright, dans quelle position le pilote devait-il se mettre ? À plat ventre. Bonne réponse de l'amiral. Il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de siège. Et pour arrêter l'avion, on attrapait le manche. Question de Monsieur l'abbé Pierlot de Méholt. Quelle est la sainte qui parvint à ramener la cour pontificale d'Avignon à Rome en 1376? Sainte Catherine de Sienne. Catherine de Sienne, bonne réponse de Jean Dutour, dont c'est la rentrée. Du merveilleux Jean Dutour. Oui, de l'admirable Jean Dutour. Admirable, admirable. Il y a pas de l'académicien avec un grand L. Question de Mademoiselle Fritz de Cornimont. Quel est le pays qui est né de la fusion du Tanganyika et de Zanzibar ? La Belgique. Le machin Swano, le Bukanda Swano. Attends. Burkina. Comment de quoi de Zanzibar? Des Zanzibar. Tanganyika. Et Zanzibar. Tanzanie. La Tanzanie, ah oui. Exactement. Bonne réponse de Jean Dutour. La Tanzanie est bien connue pour ses putes. Des putes. Oui, madame Tanzanie. Très bien. Vieille, c'est une vieille. C'est très gentil quand même. C'est pareil.
Question de Monsieur Grandrue. Le père était syphilitique, la mère tuberculeuse. Le premier enfant fut aveugle, le deuxième mourut en bas âge, le troisième était sourd-muet, le quatrième aveugle. Qui fut le cinquième ? La roue de la fortune. Jean-Sébastien Bach. Pas loin. Mozart. Non. Damned. Haydn. Non. Yvette Horner. Beethoven. Elle est sûrement sourde. Beethoven. Ah. Bonne réponse de Claude Sarro. C'est pour ça qu'il est devenu sourd. Il avait une lourde hérédité, dis donc. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ouais. Vous saviez ça, non ? Pas du tout. Comme quoi, le génie, souvent. Hein. Mais on raconte à Vienne une très très jolie anecdote sur Beethoven qui a changé 31 fois d'appartement. Parce que les voisins se plaignaient qu'il faisait trop de bruit avec son piano. Ce qui est pas mal pour Beethoven. Et alors ça lui a donné, et en particulier, il était toujours, le pauvre homme, embêté le 30 du mois parce que le propriétaire venait frapper à la porte pour toucher son terme. Et ça a été le début de la 5e symphonie, pan 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 pan. Et ben c'est le propriétaire qui frappait à la porte de Beethoven. Mais c'est pas des blagues. Non, est vero. Mais je trouve que c'est formidable d'avoir fait la 5e symphonie par la grosse du propriétaire qui tapait à la porte. Qu'est-ce qu'il disait de Beethoven, qu'il était tellement sourd qu'il a cru toute sa vie qu'il faisait de la peinture? Voilà, c'est ça. Moi, ça, c'est une des choses qui m'a plus frappé dans le métro. Dieu sait pourtant qu'il y a des choses qui m'ont frappé dans le métro. C'est les gens qui sont devant moi. Moi, je suis en train de lire le journal et eux, ils lisent une partition de musique. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Absolument hallucinant comme impression. Et une fois, j'étais tellement curieuse que j'ai regardé. J'ai regardé par-dessus l'épaule du type. Il m'a dit si je vais trop vite. Est-ce que je vais trop vite ou est-ce que vous voulez qu'on revienne au premier mouvement? Il m'a fait. Est-ce que vous vous frottiez contre lui? Non, je regardais, oui. Tu as raison, en plus. Tiens, j'avais jamais pensé. J'avais pas pensé, oui, mais forcément, j'étais tellement intriguée que je me collais un peu à lui. Chaleur. Pour regarder ce qu'il disait. C'était une partition de musique. Ouais, ouais, bon, bah, c'est comme ça que vous avez eu votre première portée. Question de Madame Douchy de la Varenne. De quoi Edgar Poe s'est-il inspiré pour écrire ses histoires extraordinaires ? De toutes sortes de choses. Edgar Poe, la légende de Midas. Midas, le roi du pot. Oui, vous ne connaissez pas ? Je connais pas ça. Vous jamais Midas... fait changer le pot ? Jamais ? Et Midas, c'était le type qui avait les doigts d'or ? Oui, mais il gagne beaucoup d'argent avec ça. C'est aussi un type qui change les pots. Les pots d'échappement des voitures. Midas, le roi du pot. Ah, je croyais que tu parlais d'un pot de chambre. Bon, alors, de quoi il se... je sais pas, de ses rêves, peut-être ? Oui. Ah, de bon. Ses cauchemars. Bravo. Bonne réponse de Jean Dutoux. Bravo, Jean. Yeah. Il est mort assez dramatiquement, Edgar Poe. Il s'est suicidé, je crois. Oui. Il s'est suicidé, c'est pendu à un réverbère. Ah non, c'est Gérard de Nerval. Je confonds avec Gérard, raison. Là. Tout à fait, je confonds avec Gérard de Nerval. On l'a retrouvé dans un caniveau, non, non. C'était... Ouais. Tu as raison. Ouais. C'était pas un réverbère pour Gérard, c'était non, une espagnolette. Et c'était... Là où est aujourd'hui le théâtre de la ville. Voilà. Ah oui, vraiment. Ouais, dans l'emplacement du trou du souffleur. Pas possible. Ouais, ouais. Ah, mais j'y passe tous les jours, dis donc. Dans le trou du souffleur, il est tombé. Pas du souffleur, du souffleur. Ah bon. Question de Madame Ménard. Quel est le fleuve aux 1000 affluents dont le delta est aussi vaste que le territoire belge ? Le Nil. Le Nil. Non. Le Mékong. Non. L'Amazone. Non. Le Saint-Laurent. La Plate. Là ? La Plate, parce que j'arrive de l'Uruguay. Elle a dit l'Amazone. Non, la Punta. Bon, non. C'est le pas Mississippi. Ça. Elle a dit l'Amazone ? Non. Tu as dit l'Amazone ? Oui, on a dit l'Amazone. Il a refusé. C'est un fleuve chinois, alors ? Non, c'est un truc... enfin, c'est pas le plus grand fleuve, mais le delta est le plus important. Le Potomac. Ouais. Non. C'est en France ? C'est non. En Europe ? Non, ça se saurait, parce que si on avait en France un fleuve dont le delta est aussi important que la Belgique... C'est en Europe ? C'est en Europe, ce truc-là ? Le Rhône ? Non, c'est pas en Europe. Allez. Le Brabapoutre ? Non. C'est en Amérique ? Le Gange ? Non. Le fleuve Rhône. C'est en Extrême-Orient ou c'est en Amérique ? Écoutez, c'est le seul que vous n'ayez pas nommé. Alors bon. Le Danube ? Non. La Volga ? Non. Mais non, il dit que c'est pas en Europe, le petit. Eh, oui, non,
On a dit le Mississippi, on a dit l'Amazon. Le Missouri. Le Yangtze-Kiang. Le fleuve jaune. L'Orénoque. 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 Ah, c'était moi. Bonne réponse de Jean Dutour. L'Orénoque, ben oui. Bravo Jean. Bravo on Jean. Vous l'a soufflé, vous n'avez pas entendu tout. Non, non, bravo Jean. Que non, mais heureusement vous êtes là Jean. Je te donne l'Orénoque. Je l'ai dit d'abord. Non, non, c'est pas vrai, je suis témoin. Tu prends deux bonbons, tu regardes tes photos et tu nous fous la paix. Et décolle les étiquettes pour voir s'il y a des bons en dessous. C'est ça, oui. Un voyage gratuit dans le métro. Mais non, mais c'est parce que Philippe veut pas qu'on fume à côté de lui, alors je joue avec un bout de papier pour pas fumer. Voilà. T'as qu'à lui dire merde à Philippe. Ah non, j'ose pas. Extraordinaire, pourquoi tu n'oses pas? Non, non, à la maison c'est pareil, j'ai pas le droit de fumer. J'ai fumé dans le nez pendant des années, il est bouclé. Ah non, non, on n'a pas le droit. Non, non, là chez moi c'est pareil. Hein. Dès que... Alors je fume dans les toilettes chez moi. Non, c'est bien, après le mariage de monsieur le terrorisme. Ah oui, oui. Et quand vous êtes dehors, mon petit Bouvard, vous respirez les odeurs des pots d'échappement, ça fait pas mal à vos petits poumons chéris. Vous, les pots d'échappement, vous les prenez dans la tronche, hein. Mais oui, je ne reste pas dehors à cause de ça. Il est comme c'est vrai, d'ailleurs, vous passez peu de temps dehors. Il est comme les chiens bassés, n'est-ce pas? Paf, au ras du pot d'échappement. Prenez une pipe à peau catalytique, peut-être que... Pipe à peau catalytique, enfin... Oui, ça n'a jamais fait de mal à personne. Est-ce que ça me fait mal à moi? Non. Qui la fume? De toute façon, quand on a le génie de Jean Dutour, on peut fumer. Voilà, c'est ça. N'est-ce pas, mon petit Jean? Merci, merci, mon petit. Il est bien, ce garçon. Tu sélèches, hein, t'as vu? Enfin, vous avez vu c'est que... C'est pas de la lèche, vous c'est aimeriez remplacer. Vous aimeriez remplacer. En France, et encore plus aux États-Unis, il y a de moins en moins d'endroits où on a le droit de fumer publiquement. C'est vrai. Hein? Tout à fait, oui. Bon, quand vous sortez une cigarette, vous demandez à s'embrayer, on vous regarde comme si vous étiez un martien. Les chauffeurs de taxi sont embêtants avec ça. Ils sont gentils en général, mais pour ce qui est des cigarettes... Mais c'est, tu sais pourquoi? C'est parce qu'ils veulent pas qu'on brûle leur siège. Et c'est pour ça qu'ils disent. Ils vous partout. Prennent quand même quand on a le vent quelque part. Vous n'avez jamais eu d'aventure avec les chauffeurs de taxi? Non, et c'est pas l'occasion qui m'a manqué. Hein, j'en étais sûr. Racontez-nous ça, Tante Claude. Forcément, parce que un chauffeur de taxi, normalement, tu le revois jamais de ta vie. Alors tu lui racontes des trucs incroyables et lui, il t'en raconte encore des plus fabuleux parce que c'est des confidences comme tu ferais à un curé que tu reverras jamais. Mais pourquoi vous n'avez pas voulu? Parce qu'il travaille au compteur? Non, ça ne m'aurait pas plu. Je ne peux pas faire ça comme ça, moi. Non. Quelqu'un que je ne connais pas, que j'ai rencontré. C'est un bon moyen de faire connaissance. Non, non. Non, non, j'ai jamais fait la passe, moi, tu vois. J'ai jamais eu que des histoires, enfin, à longue durée, quoi. Sérieuse. Il leur arrive des histoires pas croyables. Pas croyables et vraiment superbes. Des petites jeunes filles qui ramassent, qui n'ont pas de moyens de les payer, qui payent autrement. Enfin, ils en racontent de toutes les couleurs. Des femmes qui viennent d'être trompées par leur mari, qui se cherchent à se venger, tout ce qu'on peut imaginer. C'est amusant d'être taxi. Ah ouais, ah non, mais formidable. D'ailleurs, il y a eu des mémoires écrites par les chauffeurs de taxi. Oui, écrites. Ce sont de très bons conteurs. Oui. Comme celui qui descendait pendant ses vacances sur Marseille, puis il prend une auto-stoppeuse. Et monte, il fait « Dis donc, j'ai ta troisième femme enceinte que je prends là, sur la route de Marseille. » Elle fait « Bah, je suis pas enceinte. » »« Ouais, mais on n'est pas encore à Marseille. » Elle serait belle. Mais il y a d'autres professionnels, par exemple, ceux qui enlèvent le gaz le matin, les livreurs, tous ceux qui viennent le matin chez les femmes seules, il paraît. T'imagines, parce que c'est fabuleux. Les facteurs des imprimés. Mais complètement. Pourquoi est-ce qu'on vous dit pas ça dans les orientations professionnelles? C'est le type qui passe, tu sais, chez la bonne femme, elle lui saute dessus, il lui fait l'amour comme un fou, il est obligé, elle est là, elle s'enroule autour de lui, littéralement. Il plaçait des aspirateurs, et puis elle lui dit, c'est une vraie histoire. Hein. Elle lui dit... Elle lui dit, je ne peux pas l'acheter, votre aspirateur, parce que moi, il faut que je demande la permission à mon mari. Alors, revenez demain. Le lendemain, il revient, parce qu'il tient absolument à placer son aspirateur, et ça recommence, ça repart. Elle dit, non, bah, écoutez, il n'est pas rentré hier soir, il est rentré tard, moi, je dormais ce matin, et je ne l'ai pas vu partir. Alors, il faut que vous reveniez encore demain. Et puis, le lendemain, il frappe, et puis le mari est là. Et elle, alors il lui dit, je suis venue pour voir votre femme parce qu'elle devait vous demander pour un aspirateur. Alors il dit, écoutez, non, ça c'est à elle de décider. Alors vous revenez demain, elle est toujours là. Là aujourd'hui, elle n'est pas là, mais d'habitude, elle est toujours là. Alors elle est toujours là. Elle est toujours là. Donc, qui l'aspirateur? Elle est toujours là pour ce... Oui. Attendez, non. Vous êtes sûr que c'est complet?
Mais il me semble bien. Écoute, j'ai sauté quelque chose, la chaise. Il invite le mec à revenir pour que sa femme le ressaute, quoi. Ah, voilà. Bon, oui, mais bien pourquoi tranquille. Elle n'est pas là, sa femme? Je ne me rappelle plus pourquoi elle n'est pas là. Bah, vous pourrez nous le dire la prochaine fois, bon, hein, ce sera intéressant. D'accord. On la met en délibéré. D'accord. On s'est bien marré, là, quand même. Hein. C'est une de vos meilleures. Hein. Question de madame Pija. Froid, hein. Qu'est-ce qu'une cicave? Ah. C'est une maison qui a six caves. C'est un placement de père de famille. Oui, mais j'aimerais que vous me disiez à quoi correspondent les différentes lettres du mot SICA. Alors, société. Voilà. D'investissement. Société d'investissement. À vocation. Non. Non, c'est. C'est CA d'ailleurs. Hein. Oui. Caca boudin. Société d'investissement. Calfeutré. Société d'investissement. D'investissement. Carrément excellent. Câlin. K, ça veut dire. K. Là, c'est transparent, là. K. Capitalisation. Capital. Capital. À capital variable. À capital variable. Elle l'a dit, eh bien, bonne réponse de Claude Sarraute. Merci à l'amiral. Question de madame Ménard. Lorsqu'un membre de la mafia a trahi, comment les parrains lui annoncent-ils sa condamnation? Un bisou. Il reçoit un poisson. Un bisou. Ou sur les lèvres. Oui, on l'embrasse sur la bouche. Bonne réponse de Guy Montagnier. Et il sait qu'il est condamné. C'est terrifiant, ça. C'est quand on va le tremper dans la rivière qu'on lui donne des poissons. Question de Madame Balu. Quel autre nom porte le renard des sables? Fennec. Le Fennec. Bonne réponse de l'amiral. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. Comment appelait-on, enfin sous quel nom regroupait-on les quatre ordres religieux suivants? Les Carmes, les Jacobins, les Augustins et les Cordeliers. Les Jésuites? Non. Les ordres mineurs, mendiants. Les ordres mendiants. Bravo, bonne réponse de Jean-Luc. Oh. Et justement, tiens, à ce propos, j'ai connu un curé comme ça qui s'ennuyait tout seul. On parle d'ecclésiastique, n'est-ce pas? Il s'ennuyait tout seul. Alors, il voulait un petit peu de compagnie, on lui conseille d'acheter un perroquet. Il va donc chez l'oiseleur. Vous avez un perroquet bavard de préférence, mon fils, parce que j'aimerais tout de même avoir un peu de compagnie, un peu de conversation. Ah oui, monsieur le curé, voici un perroquet bavard, un beau petit perroquet vert, il l'emmène chez lui. Alors, Coco est content? L'autre, silence. Alors Coco va parler avec son curé. Rien. Bon, peut-être qu'il s'ennuie, je vais lui donner un peu de compagnie à lui aussi, je vais le mettre parmi les poules. Le lendemain matin, il va voir le perroquet. Ah, le perroquet va le perroquet sur une poule. Tac, 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 tac. Oh, oh, tu es en train de pêcher mon fils, il leur tire. Viens ici. Si je te reprends demain matin encore comme ça, je te plume la tête, tu as compris? Le perroquet. Il dira pas un mot, ce cochon-là. Hein. Il le remet dans le poulailler. Le lendemain matin, il va le voir. Le perroquet sur une autre poule. Tac, 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 tac. Ah, tu l'auras voulu, tu es puni. C'est dimanche aujourd'hui, je te plume la tête. Tac, 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 tac. Il plume toute la tête. Hop, toute la calotte. Tac, 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 tac. Et tu viens avec moi à la messe, je te mets sur l'harmonium. Paf, il l'emmène à la messe sur l'harmonium. Et maintenant, ta punition, tu vas dire, dès que les gens vont rentrer, les hommes à droite, les femmes à gauche. T'as compris? Ouais, 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 d'accord, ouais. Ah, il parle. Bon, les gens entrent. Ah, ils sont à droite. Ah, les femmes à gauche. Ah, ils sont à droite. Les femmes à gauche. Ça se passe pendant quelques minutes. Et tout d'un coup, au fond, trois moines, justement, des bénédictins qui rentrent. Hop là-bas, les baiseurs de poule sur la bonne avec moi. De monsieur Lecor, comment s'appellent les enfants de Pluton, le roi des enfers, et de Proserpine, la reine des enfers? Elle a épousé un dieu? Non, non, d'ailleurs. Elles ont pris le nom de la mère, de cheval. On les appelait les. C'était des filles? Oui. Les Erinies? Non. Les Parques? Non.
Négrasse. Allez, l'hégémonie. Non, 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 vous savez. Allez hop. Les furies. Les furies, voilà. Bonne réponse de Jean Dutour. Merci Jean Dutour. Merci Jean. Ah, c'était les filles. Ah, bon. Dis merci à Jean Dutour. Oui. Montagnier. Merci Jean Dutour. Merci, merci. Non, mais je vous en prie, vous savez. Jean. C'est très bien ça. Hein? Oui, je trouve qu'on ne me baisse pas assez la main généralement. T'as de la chance d'être assez près pour pouvoir lui baiser la main. Ah, j'ai beaucoup aimé votre blague à propos là, du noir. Roumain. Quel noir? Voilà. Quel noir. Bokassa, Bokassa à qui Giscard baisait la main parce qu'il a des bagues. Il aspirait les diamants. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Hop, trois diamants. C'est depuis ce moment que... Le Sénégalais auquel son petit garçon demande la permission de jouer avec son sexe. Avec son mandala. Oui. Oui. Il lui dit oui, d'accord, mais t'éloigne pas trop. Ne va pas jouer trop loin. Il y a une histoire de noir qui va voir le curé et qui dit monsieur le curé, pourquoi j'ai une grosse peau noire comme ça? Il dit, ben, parce que Dieu fait bien les choses, mon petit. Tu as une grosse peau noire pour que le soleil ne te fasse pas mal. Ah, très bien, monsieur le curé, très bien. Pourquoi j'ai des grands bras? Ben, tu as des grands bras pour pouvoir sauter d'un arbre à l'autre. Ah. Et pourquoi j'ai des cheveux crépus, monsieur le curé? Ah, tu as des cheveux crépus pour des raisons analogues. C'est pour que le soleil ne te donne pas d'insolation. Tu comprends, ça fait une espèce de touffe sur ta tête. Ah, bien, monsieur le curé. Et pourquoi je suis né à Chicago? Question de monsieur Salagnac. À quoi servaient les coquilles d'huîtres vides dans la Grèce antique? À voter. À voter. C'était des bulletins de vote. Bonne réponse de Jean Dutour. Mais Claude, on en souffle n'importe quoi. Cendrier. Je meurs. C'est pas vrai. Question de Madame Weld d'Alençon. Où Parmentier découvrit-il la pomme de terre? En Belgique. En Amérique. En Belgique, une fois. Aux Indes. Mais non, alors là, je te dis que c'est en Amérique. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il a découvert. Lié à un épisode. Chez Flodore, un après-midi. D'abord, il a découvert en inox, déjà. Pour manger la pomme de terre. Après, il a aux États-Unis d'Amérique. En Afrique. Aux Indes orientales. En périphérie tachromique. Non, alors, ça venait peut-être de très loin, mais là, il l'a découvert à la faveur d'un épisode assez dramatique de son existence. Ben, quand il a enterré sa femme. Ils étaient en expédition. Il n'aurait pas fait un petit naufrage. Et sa femme est morte, et ils l'ont enterré. Et en enterrant sa femme, ils ont sorti des bizarres tubercules. Non. Je peux vous dire comment Parmentier a découvert la pomme de terre. Eh bien, c'est en jouant au tennis avec Louis XVI, et maladroitement, Louis XVI attrape une tubercule qui traîne, fait le service avec. La pomme de terre, qu'on ne connaît pas encore, arrive dans la raquette de Parmentier et les cordages la découpent en forme de frites. Schlock. Voilà. Et Parmentier eut ce commentaire extraordinaire, croyant que c'était une balle qui tombait et qui était découpée. Il dit, quel gâchis, Parmentier. Et... Alors, faut-il vous rappeler que Parmentier était un militaire, pharmacien militaire. Il n'a pas utilisé une patate comme suppositoire, des fois. Il a découvert ça au cours d'une campagne. Oui. Campagne qui s'est pas très bien terminée. Ah là là. Alors, bah c'était sous Louis XVI. Ah forcément. Eh bien oui, tout s'est bien terminé sous Louis XVI, enfin sauf la fin finale quoi. Un peu avant. À la guerre de 7 ans, il a découvert ça. Oui. Il a trouvé ça en Allemagne. Oui, enfin. Ah bah oui. Il était à ce moment-là où? Bah il était prisonnier en Prusse. Et il était prisonnier en Prusse, voilà. C'est dans la geôle de Frédéric II. Et puis des gens leur foutaient des patates. Exactement. Bonne réponse de Jean Dutour. Bravo Jean Dutour. Et merci. C'est vraiment un comme ça. Je suis époustouflé. Ah oui, moi aussi. Moi aussi, vraiment époustouflé. Moi, je ne suis pas surpris du tout. Je suis ravi, mais pas surpris. Il est de plus en plus épatant.
Question de Madame Laclos. En 1131, qui était abbesse de l'abbaye du Paraclet? C'est Héloïse. C'est Héloïse. Voilà. Bonne réponse. Bravo. Et lui, en plus, ça lui apparaît comme une évidence. Est-ce que maintenant tu peux comprendre pourquoi je suis sincère? C'est tellement merveilleux. Non, c'est vrai, c'est une joie profonde. Formidable. Hein. Voulez-vous rappeler aux Béotiens que j'ai réunis autour de vous aujourd'hui, monsieur Ducour, ce que c'est que le paraclet? Oh oui, s'il vous plaît. C'est le Saint-Esprit. Voilà. De Madame Harvey de Troyes. Que nous donna la paix de Cato-Cambrésis? Merci, Jean. Vraiment. L'Artois ? Non. Lille ? La Flandre ? La Bourgogne ? Non. L'Alsace et la Lorraine. Peut-être. Les évêchés ? Alors la Franche-Comté. Les évêchés, tout le Metz-Verdun. Metz, tous les Verdun, oui. Metz, tous les Verdun. En plus, il m'a laissé parler pour me faire plaisir. Bonne réponse de la miracle. Quelle délicatesse. Il y avait en prime. On a des entrailles. Il y avait en prime une ville qui ne faisait pas partie des trois évêchés. Il faut qu'on te la dise en plus ? Oui, excusez-moi, mais... Philippeville. Une petite coquetterie. Comment ? Philippeville, Marienbourg. Non. Non, c'est plus dans l'Est que ça. Non. Non, non, plus dans le Nord. Non, dans l'Est. Nord. Lille. Lille, alors. Lille. Non, non, non. Tourcoing. Nancy. Non, non, une ville qui devait ensuite faire parler d'elle. Nuremberg. Sedan. Pigalle. Luxembourg. Jean. Qui est en France, maintenant ? Elle est en France, maintenant. Ah bon, bah c'est pas Luxembourg. Et une ville du Nord. Dunkerque. C'est pas Dunkerque. Allons, bon. Mais c'est pas loin. Ah c'est Dunkerque. C'est sur la côte. Oui. Boulogne. Calais. 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 Ah, bravo. Bonne réponse de Guy Montagnier. Eh ben voilà, deux réponses qui ont échappé miraculeusement. Non, elles n'ont pas échappé à Jean Dutour. Jean Dutour nous a abandonnés. Merci, Jean. Vous savez ce qu'ils font, les Jean. Belges, en arrivant à Calais? Ils font demi-tour parce qu'il y a marqué pas de Calais. Pas de Calais. À la vieille, hein, celle-là. On a un peu... Question de Monsieur Huc. Qui fut surnommée la Vierge Rouge au moment de la Commune? Ben, c'est pas Louise. Louise. Oui, c'est Louis Michel. Louise Michel. Michel. Bonne bravo. Réponse de Jean Dutour. Et merci, Jean. Merci, Jean. Merci. Ça n'est rien. Non, ça nous fait vraiment plaisir. Mais elle n'est pas restée vierge tout le temps. Hein. Je crois qu'elle s'est mariée, Louise Michel. Avec Ah, ben, je me rappelle plus. Je l'ai su, mais j'ai oublié. J'y étais pas. Avec des bouches, Bernard. Ouais. C'est pas au moment de la Commune que Clémenceau s'était... pas Clémenceau, Gambetta s'était évadé en ballon. Oui, c'est lui. Ah oui, puis s'était perdu loin. Et je me rappelle même que... C'était pendant le siège. Oui, il était parti dans les nuages. Et il est même allé jusqu'au-dessus de la Suisse. Et là, au-dessus de la Suisse, les nuages se sont écartés. Il a vu un berger, parce qu'il savait pas où il était. Il a fait « Oh, vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui, où je suis ? Dans un ballon !» Anecdote de l'histoire de France. Ouais. Question de Monsieur Delaunay de Montbard. Quelles sont, en dehors de celles qui en font la demande, les personnes interdites de casino? Celles qui n'ont pas pu payer. Celles qui ont triché ou qui n'ont pas pu honorer leur... Les mineurs. Alors, celles qui ont triché. Les mineurs. Mm-hmm. Les mineurs. Mm-hmm. Les faillis. Effectivement, ceux qui sont privés de leurs droits civiques ou condamnés pour faillite ou banqueroute. Et puis, une dernière catégorie qui est éliminée presque systématiquement, sauf l'été. Quoi, les mendigos? Non. Les ivrognes. Enfin, l'été, c'est une tolérance, mais il ne faut pas aller trop loin. Ah, les gens qui sont en maillot de papa, en maillot de même, en short, voilà. Et qui n'ont dont pas de dont la cravate. Tenue est trop négligée. Voilà. Bonne réponse collégiale et de Claude Sartre. À quoi je crois qu'il faut ajouter les officiers ministériels qui en uniforme, ah oui. Et les danseuses nues en tenue de métier. Et les poules aussi. Parce que quand le croupier dit « faites vos œufs », là, rien ne va plus. Les œufs sont faits, rien ne va plus. Le monsieur Dessin de la Houssoye, que fabrique un dinandier? D-I-N-A-N-D-I-E-R. Bah, il fabrique des petits objets en étain. Oui. Voilà. Bonne réponse de Jean Dutour. Merci Jean Dutour. Merci Jean. C'est génial Jean Dutour. Vraiment, génial. Merci Jean pour la culture, merci.
Toute notre jeunesse avide de savoir, merci. De mademoiselle Mylène, qu'est-ce qu'un galodrome ? C'est une arène pour combat de coq. Une arène pour combat de coq. Bonne réponse. Bravo. Jean Dutour. Merci Jean Dutour. Et bravo. Où allez-vous ? Elle s'en va. Je crois que voilà. C'était fini. Pardon. Elle s'en va, voilà. J'ai besoin d'aller au petit coin, c'est pour ça. Bah va, on t'attend. Va, on t'attend. Arrête. Tu vas me faire ça dans ma culotte. Il y a pire que ça. Attends, avec un peu d'eau. Arrêtez. C'est une horreur, ça. C'est une horreur. Ça va, tu tiens ? Les premières gouttes atteignent la chaussure. Philippe, vous faites gâteur. Hein. Vous nous prévenez quand la marée arrive. Hein. Allez, on vous égoutte. Ouais. Et ça vous prend comme ça, souvent ? C'est non, mais là, ça la prend bien, là, on dirait. Hein. C'est quand je... Allez, faites un flac. Oh, vous allez bien attendre encore quelques secondes. Oui, oui, d'accord, mais grouille quand même. Ça alors. Dernière citation que nous envoie M. Le Goff de Thouars-sur-Loire, qui a dit « Si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons. » Aïe, aïe, aïe. C'est De Gaulle ? Non. C'était un contemporain ? Il est mort en 1947. Un Français ? Un Français. Monet ? Jeune. Non. C'est président de la République ? Non, pas du tout. Pas premier, du tout. Un politicien ? Non. Un écrivain ? Écrivain, et pas seulement écrivain. Je veux dire pas seulement un écrivain, un acteur ? Ah non, non, pas du tout. Écrivain et politique ? Oh, non. Philosophe, tu veux dire ? Philosophe, écrivain, homme de science aussi, poète aussi. Ouais. Il n'est pas mort en France. Il n'est pas mort en France. Non, il n'est pas mort en France. Ça t'emmerde, hein ? Claudel ? Il n'est pas mort en France. À qui pensez-vous, amiral ? Écoutez, laissez répondre Claude Sarraute, je vous dirai après. Moi, je ne suis pas pressé, j'ai pas envie du tout. N'empêche que tu vas courir me rejoindre, je te connais. Si c'est Saint-Jean-Perse, c'est... il n'est pas mort en 47. Hein. Non, non, c'est il est mort, il est mort en 47, mais il n'est pas mort en France. C'est pas Claudel, mais il était de l'Académie française. Oui. Et il est mort en 47. Ouais. Et il était poète. Ça, c'est dur, hein ? Aïe, aïe, aïe. Rostand, il est mort quand ? Ah bah il est mort, je sais pas, il a dû mourir. Mais Jean Dutour est dégueulasse, que Jean Dutour sait aussi, comme moi. Et il veut pas le dire, parce qu'on veut voir la flaque. Non, non, arrête de faire rire. Mais tiens bon, tu te tortilles de plus en plus. Allez, détends-toi. Maurras ! Maurras ! Non, 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 non. Il était là qu'il était vif en scène. Oui, il était là qu'il était vif en scène. Oh, j'arrive pas à parler, tellement j'ai les cuisses serrées. C'est pas, un des deux Abel. Abel Bonnard et Abel Hermand, non. Ni un Marcel. Ah, ils sont morts plus tard, les Marcel. Peut-être que c'est le passage. Tu vas être obligé de te faire comme tapis dans sa pub avec une passe à linge. Ah, ça y est, ça commence. Ça commence. Vas-y, tiens bon, goutte que goutte. Arrêtez, grouillez-vous, je vous dis. Grouillez-vous, j'en peux plus. Mais j'arrive pas à voir qui c'est, ma pauvre chérie. Si tu... Je voudrais abréger tes douleurs. C'est certainement l'écrivain de ce siècle dont les œuvres, enfin une petite partie des œuvres, figurent en plus grosses lettres. Oui. Ah, Valéry, voyons, bien sûr. Paul Valéry, bonne réponse de Jean Dutour. Bravo, merci. À la prochaine fois. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Et si vous passiez un bon dimanche ? Ou même un dimanche excellent.